Bienvenue pour notre campagne de sensibilisation à l'autisme version 2022, l'opération Chaussettes Bleues. Cette année, la thématique est « Nous sommes parmi vous ». Cette année, nous allons donner la parole à des personnes autistes, soit par des podcasts, soit par des vidéos, pour qu'elles partagent leur expérience de vie, leurs questionnements, mais aussi si elles souhaitent mettre un éclairage sur quelque chose de particulier dans le monde de l'autisme, c'est important de leur donner la parole et de les écouter. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Philippe Pia. Jean-Philippe, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Jean-Philippe, on souhaiterait que tu nous apportes ton témoignage. Tu as un parcours assez long. Alors, beaucoup de gens te connaissent à travers tes vidéos, à travers tes formations, à travers ton parcours sur les réseaux sociaux. Tu as un parcours assez atypique. Et en même temps, ce que je souhaiterais, c'est que tu nous apportes ton éclairage sur le monde de l'autisme tel que tu le vis, tel que tu le vois, les besoins que tu penses qu'il faut pallier. Voilà. Finalement, mon parcours, il est atypique pour des personnes typiques, si j'ose dire. Mais il est assez classique, peut-être des personnes autistes comme moi, qui ont finalement eu un vécu assez long, où ils n'ont pas eu de diagnostic, où ils ont une errance diagnostique, où ils ne savaient pas. En fait, moi, j'ai suivi des études et à la fin de mes études, j'ai eu beaucoup de mal à m'inclure. Bon, déjà, je voyais bien que ça ne se passait pas bien avec les autres, etc. Mais finalement, le plus difficile pour moi, ça a été le collège, parce qu'il y a beaucoup de réciprocité sociale, d'attendu. En fait, il y a beaucoup de comparaisons sociales dans le collège. On compare, voilà. Et puis, peut-être aussi, globalement, l'après, quand j'ai dû travailler, donc vraiment être pleinement autonome sur à la fois sur le professionnel et sur le domestique, et là où ça a été quand même relativement compliqué. Donc, c'est vrai qu'après, je ne sais pas combien, on va dire 15 ans d'errance, de me dire souvent, mais qu'est-ce qui cloche en toi? Pourquoi tu n'arrives pas à être comme tout le monde? Désolé, hein, à l'époque, c'était peut-être mon objectif. Hein. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Hein, j'ai réussi, si j'ose dire, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, aujourd'hui, ma vie me convient et elle n'est pas comme tout le monde. Mais voilà. Mais en tout cas, à l'époque, c'était ça, parce que il y avait une pression sociale, une exclusion sociale, et qui oblige, hein, j'en parlais hier, tout à l'heure sur Facebook, qui invite à des systèmes de compensation du type misanthropie, on déteste les autres parce que finalement, eux, ils trouvent leur place. Et c'est dur d'avoir... Donc, des fois, on voit dans des communautés de personnes autistes parfois des mots assez durs vis-à-vis des neurotypiques, mais il faut voir aussi le vécu de harcèlement, d'exclusion, d'être toujours obligé de faire 1000 efforts pour au final fonctionner pas tout... enfin, avoir l'impression que ça ne marche même pas convenablement malgré ces 1000 efforts. Donc, c'est sûr qu'il y a ça qui peut inciter à un rejet des autres. Et puis, comme on disait un peu avant, bon, après, moi, je me suis donc, au départ, c'était pas une volonté, hein, mais à partir de mon diagnostic, je me suis beaucoup intéressé à l'autisme, j'ai beaucoup lu sur l'autisme. Il n'y a pas de volonté, hein, je ne sais pas si on peut diriger son intérêt spécifique, j'ai jamais lu d'études dessus, et j'en suis incapable, en tout cas. Moi, c'est un peu, ça m'est tombé dessus. Et du coup, j'ai lu beaucoup, j'ai beaucoup travaillé. J'ai commencé par écrire un livre que tu connais, Guide de survie de la personne autiste. Et que l'on recommande vivement à ceux qui nous écoutent. Vraiment, c'est un livre qui va vous être très, très, très utile et qui est tous les jours, gardez-le près de vous. Ça va être vraiment très utile pour les personnes concernées par l'autisme, les familles et même les professionnels, je pense. Oui. Parallèlement à ça, j'avais commencé à écrire sur un blog qui s'appelle toujours Aspi Conseil, parce qu'au départ, je trouvais que pour les personnes comme moi, il n'y avait pas beaucoup d'aide. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent on avait le diagnostic, enfin d'ailleurs, déjà, quand on avait le diagnostic, on se croyait que le plus dur, c'était finalement avoir ce diagnostic, avoir ce mot. Et puis finalement, après le diagnostic, il n'y avait rien.
Donc, bon, il y a des associations qui sont créées depuis, mais c'était pas toujours, il n'y avait pas beaucoup d'associations, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, j'avais envie d'écrire sur ça. Puis, peu à peu, je me suis intéressé à l'autisme en général et aussi à toutes les personnes autistes, qu'elles soient orales, non orales, avec une déficience intellectuelle avérée ou supposée, hein, parce que c'est encore On une est grande question d'accord. là-dessus. Voilà. Et du coup, bah, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. J'ai lu aussi beaucoup. Puis j'ai commencé à intervenir auprès d'enfants et d'adultes autistes avec différents profils. Rarement mon type de profil, finalement. Plus souvent des personnes avec, disons, des difficultés, beaucoup plus de difficultés en intensité, dans l'autonomie, dans des choses comme ça. Voilà. Et voilà, je me suis intéressé. Et puis, bah, parallèlement à ça, on a commencé à me laisser ma chance, hein, pour former. Et peu à peu, bah, du coup, actuellement, j'ai beaucoup de formations, hein, très souvent. Je donne des formations sur divers sujets. Qui vont des habiletés sociales, à la sécurité dans l'autisme ou à des connaissances sur l'autisme. C'est assez variable. Emploi aussi. Enfin, voilà. Voilà, le seul domaine que je n'ai pas encore touché, c'est la vie affective et bisexuelle. Mais c'est tout pour l'instant. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît parce que j'ai enfin trouvé, en quelque sorte. Alors, bon, voilà. C'est pas que le côté. Bah, bon, déjà, je suis en autonomie financière et ça compte. Parce que ça a été longtemps pas le cas. Hein. Vivre aux Ça fait crochets de du ses parents, bien, j'imagine. c'est pas évident. Mais au-delà même de l'histoire, moi, je veux dire, je comprends tout à fait des personnes autistes qui ne voudraient pas travailler dans un emploi salarié. D'ailleurs, c'est pas ce que je fais. Hein. Mais qui voudraient voilà, avoir des activités qui sont épanouissantes, où on a vraiment, pour moi, c'est épanouissant de pouvoir guider. Des professionnels, des parents, et de leur donner des pistes pour mieux accompagner leurs enfants, pour mieux accompagner ceux auprès desquels ils interviennent, voilà, c'est gratifiant pour moi. Et j'ai l'impression un peu de, alors à mon petit niveau, hein, mais de changer un peu la donne, et c'est important. Très Voilà, après important. avoir passé des années à se demander pourquoi je me lève, aujourd'hui, je sais un peu pourquoi je me lève le matin. C'est difficile des fois. Alors Jean-Philippe, si je résume, pendant des années, une sorte de errance, pas savoir qui, ni quoi, ni quand, ni comment fonctionner en adéquation avec ce monde, même en ayant fait des études, en ayant fait des difficultés à trouver ta place dans ce monde et dans cette société. La découverte de ton diagnostic t'a obligé, entre guillemets, à te pencher sur qu'est-ce que c'est que l'autisme. Avant ça, tu n'avais pas forcément des connaissances particulières dessus, sur ce sujet, qui est très vaste. Au fur et à mesure, ton intérêt a augmenté et de là, tes connaissances se sont ouvertes et ça s'est mis, comme on dit souvent, nos passions sont au service de l'humanité. C'est devenu un de tes points forts. Et donc, grâce à ce point fort, tu as trouvé un point d'intersection avec le monde extérieur qui t'a permis de développer tes connaissances et de les mettre au service des autres des plus fragiles ou des plus. Et donc, au fur et à mesure que tu travailles, non seulement grâce à ça, tu arrives à gagner ta vie, à être autonome financièrement, mais en plus à être passionné par ce que tu fais et à te sentir utile dans la société. Donc moi, c'est ce que j'appelle un strike, c'est une réussite totale. Merci. Oui, ce qu'il y a, c'est que ça commence à 42 ans et j'ai 44 ans, quoi. Mais bon, Ouais, c'est pas ouais, ouais, grave, c'est ouais. toujours ça. Mais ça donne Ce de que je veux l'espoir dire. pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Et j'espère justement, j'ai envie de dire aussi quelque chose, voilà, le fait d'avoir un diagnostic assez précoce, alors précoce, peu importe, mais disons au moins au niveau de l'orientation professionnelle, ça peut vraiment aider. Parce que le problème aussi, c'est que souvent chez les personnes autistes, enfin, en tout cas, moi, j'avais un vrai manque de recul sur ce que j'étais. Et du coup, bah, je me rappelle que je voulais à un moment faire de la gestion et du management. J'étais sûr que j'ai. Et ça ne fonctionnait pas, mais j'avais l'impression que j'étais plutôt bon en plus. C'est, je pense, quelque chose qui. Voilà. Si j'avais eu ce diagnostic à l'époque, bah, peut-être que ça m'aurait aidé à mieux choisir ma voie.
Par exemple, comme j'étais dans l'informatique, au lieu d'aller vers du travail vraiment orienté, analyse des besoins du client, etc., j'aurais dû m'orienter vers vraiment de l'expert technique, etc. Donc vraiment quelque chose, beaucoup moins social. Oui, d'où l'importance de vraiment de Ouais. connaître ce diagnostic, parce qu'on dit souvent, les gens me disent, oui, mais à quoi ça sert, ne vous mettez pas d'étiquette. En fait, comme je le dis souvent, ce qui s'énonce bien se comprend bien. Quand on comprend bien une chose, on trouve les solutions aux problèmes éventuels, ou en tout cas une manière d'être à sa place, et c'est en adéquation avec le monde. C'est très important. Sachant que pour la plupart d'entre nous, pas besoin d'étiquette pour avoir été exclu, pour avoir été vu comme Effectivement. bizarre, étrange. Je veux dire, c'est un peu ces gens qui disent ça, souvent, c'est un peu enfin, je veux dire, c'est un faux dilemme. Mais en vérité, voilà, il faut arrêter. Je veux dire, personne ne cherche une étiquette, on cherche à se comprendre, on cherche pourquoi ça. Voilà, on a. Pourquoi ça. Voilà, pourquoi il y a des difficultés, pourquoi. Voilà, c'est un peu agaçant d'entendre souvent cette histoire d'étiquette. Pour en revenir, voilà. Jean-Philippe, je voudrais te poser une question. Maintenant, tu viens de nous dire que tu as à peu près 44 ans, je pense. Oui, c'est ça. Tu es marié, père de famille, tu travailles. Comment trouves-tu cet équilibre? Est-ce que ça te demande plus d'efforts qu'avant? Moins d'efforts Alors. qu'avant? Je voudrais que les personnes autistes qui t'écoutent, par exemple, et qui ont des passions et qui voudraient y travailler, par exemple, par expérience, moi je sais que parfois il y a des choses qui me plaisent et qui m'appassionnent, mais ça me coûte beaucoup de cuillères, entre guillemets. Donc, Oui, comment c'est. fais-tu le curseur pour gérer tout ça? Et est-ce que tu as encore de l'aide extérieure? Alors, oui, j'ai une ergo qui m'aide beaucoup pour la planification, parce que on parle souvent dans l'autisme, on parle beaucoup du versant social, mais il y a aussi le versant cognitif, et notamment les fonctions exécutives, l'organisation, tout ce qui va être autour de ça, qui est assez compliqué à gérer, qui était assez compliqué à gérer. Autre chose, aujourd'hui, par exemple, j'ai très peu d'accompagnement parce que je me sens pas capable, je monte tout doucement. Et pas que je me sente pas capable d'intervenir, mais je suis vite fatigué. Et du coup, voilà, il faut vraiment gérer sa fatigabilité. Par contre, ce que j'ai appris à faire et que je ne faisais pas à 22 ans ou à 25 ans, c'est à réduire les choses coûteuses et inutiles. Je ne sais pas, moi, faire les courses, par exemple, plutôt que de faire un drive. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de drive, mais. Tu vois, par exemple, ne pas essayer de socialiser à tout prix quand ça ne fonctionne pas, que c'est très coûteux, et de me concentrer sur ce qui me plaît, c'est-à-dire l'autisme. Ma sociabilité aujourd'hui, elle est uniquement ou presque liée à l'autisme. Et donc, voilà. Mais du coup, essayer de réduire en fait des choses qui me fatiguaient pour finalement pas grand-chose, si ce n'est essayer de mimer gauchement la vie normale. Et de me concentrer sur ce qui me plaît, bah, bon, pour moi, l'autisme. Voilà. Donc Ok. voilà, je pense que ça compte aussi. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais l'idée. Puis même au début que j'ai eu un enfant, ça a été quand même assez compliqué de concilier tout, hein. C'est aussi pour ça que c'était compliqué voilà, de concilier tout. Et quand on ne travaille pas, il y a aussi, alors ça c'est un phénomène qui arrive chez les personnes typiques aussi, hein. Il y a tout un phénomène de, bah, on finit par dormir tard, on se lève tard, tu sais, il y a tout ce phénomène qui est Oui, assez tout à compliqué à fait. gérer, en plus avec des organisations qui sont compliquées, donc c'est vrai que ça a été, voilà, ça a été, mais bon, voilà, et je me Maintenant, plains ça va pas, hein. Je mieux, me plains pas, ta mais semaine est j'espère rythmée. que moi, si j'avais un souhait, c'est que les prochains, ils n'aient pas à vivre ça. Les Ouais, prochains. ouais. Alors, je ne sais pas si avec le CRAL qui ferme, en Belgique, ça C'est sera le un cas, combat, oui. Alors pour les adultes, c'est une catastrophe ici en Belgique. Je dois t'avouer que, à croire qu'à 21 ans, ça y est, les autistes s'évaporent dans la nature et ce fonds n'existe plus. Donc il y a énormément de travail à faire, aussi bien au niveau de l'accompagnement que des diagnostics et tout. Donc on est comme, qui dirait, en lutte et en mobilisation générale. Et d'ailleurs, dans les semaines qui suivent, il y aura pas mal d'actions qui auront lieu. Qu'est-ce que j'allais dire?
Jean-Philippe, maintenant, avec ton expertise de travail, je crois que tu as une vision sur ce qui est l'enfance, l'adolescence, le monde des jeunes adultes. Excuse-moi si je saucissonne comme ça les trucs, mais moi j'ai besoin de ces constructions-là. Les adultes, la vie de couple, la vie de famille, la vie professionnelle. Oui. Et c'est un spectre, l'autisme, rappelons-le. Voilà, oui, Quels il y a sont les effectivement. points, les sujets qui, toi, t'interpellent, te passionnent, te guident Alors, ou... en ce moment, ça serait beaucoup la sécurité dans l'autisme, c'est-à-dire le fait que beaucoup d'enfants et d'adultes, alors notamment avec une déficience intellectuelle avérée ou supposée, comme je disais, disons avec une faible autonomie, peuvent fuir. Peuvent, et du coup, avec des risques de drame et d'espérance de vie réduite. Donc, ça, c'est vrai que c'est. Et je trouve que c'est pas assez. Il n'y a pas assez de formation, pas assez travaillé dans dans les établissements ou même en libéral. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, c'est vrai que ce que je trouve intéressant aujourd'hui et ce que je voudrais vraiment qu'on développe, c'est effectivement ce qu'on entend beaucoup, hein, c'est l'inclusion, mais l'inclusion de tous. Aujourd'hui, l'emploi dans l'autisme, il est encore vu comme quelque chose un peu de l'élitisme autiste, hein, de personnes qui ont, comme moi peut-être, hein, mais moins de difficultés. Je veux bien l'admettre, hein, c'est pas du tout le propos. Enfin, moins de difficultés, en tout cas visibles. Mais du coup, je pense qu'il faudrait revoir ça, hein, revoir un peu, voilà, aussi cette idée aussi beaucoup d'institutionnaliser. Alors, je suis pas forcément contre toutes les institutions. Mais déjà, on voit que y a beaucoup de temps mort, il ne se passe pas grand-chose, il y a peu d'objectifs. Et ça, c'est dramatique parce que c'est une perte de chance pour des enfants qui un jour deviendront adultes et qui n'auront peut-être d'autres choix que d'être à nouveau en institution, dans des institutions pas toujours bien traitantes. Voilà, on ne favorise pas assez la détermination, la communication des personnes autistes, particulièrement quand on a un peu une vision encore fataliste de l'autisme, notamment qu'on qualifie encore d'autisme sévère. On a un peu de vision fataliste. Ces personnes-là pourront, en gros, n'auront aucune détermination, etc. Alors, je ne dis pas que c'est facile de mettre une détermination pour elles, mais il faut vraiment travailler sur ça. En Et tout ça, c'est cas, important aussi. elles ont leur place et elles doivent avoir leur place Exactement. et être incluses et elles ont des choses à apporter. Un jour, Exactement. un systémologue m'avait dit, moi, si j'ai un enfant comme ça, ben, c'est sûr que je me fais avorter, je ne le garde pas. Et ça m'avait beaucoup Oui, alors ça y est, blessée c'est et un c'était une réflexion qui était extrêmement... Pourtant, j'avais donné un violente. bouquin à lire qui lui expliquait et tout. Et sur le moment, je n'ai pas réagi, mais quelques années après, quelques semaines après, pas quelques années, heureusement, je me suis dit, si nos enfants ou ces enfants di différents ont une fonction, je pense qu'ils ont cette fonction de réveiller notre humanité. Ils ont cette fonction d'avoir un garde, de mobiliser tout ce qui est humain en nous. Et savoir les voir et savoir les inclure, c'est un cadeau pour chaque être humain sur cette terre. C'est Voilà, permettre et à son humanité de prendre sa place pleinement. tout à Et fait, si et on si. observe, ils ont tous des talents. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas de talent. Ça n'existe pas une personne qui n'a aucune Ah. raison d'être sur cette terre. Ça, je tiens à le rappeler, quoi. Je suis un peu dure par rapport à ces propos, mais Et c'est parce puis que j'ai encore envie. justement, il faut arrêter de voir les choses comme. Oui, et puis surtout, il faut arrêter de voir comme quelque chose qui doit apporter, soit. Voilà, je parlais tout à l'heure, ok, je suis autonome financièrement aujourd'hui, mais ce n'est pas une fin en soi. On ne doit pas forcément apporter financièrement ou apporter quelque chose, tu vois, je veux Tout à dire, fait. qui gagne. Alors, il y en a qui ont des intérêts spécifiques, ça peut être les brosses de toilette. Moi, j'avais mon filleul à un moment, c'était qui est autiste avec des difficultés, hein, qui était dans la case au niveau sévère, en tout cas. Mais voilà, il aimait les toilettes, voilà, mais ça n'a pas forcément débouché sur un travail, mais en même temps. Je veux dire, c'est sa façon d'aimer. Il aime beaucoup les machines à hublot qui tournent, etc. Mais parce que voilà, mais il apporte énormément quand on le voit. Voilà.
Et au-delà de ça, je dirais, il y a quelque chose que je voudrais aussi partager, c'est que beaucoup des comportements, même des comportements qu'on dit problèmes ou défis, c'est cohérent pour la personne autiste. Il faut aller dans le référentiel. On parle beaucoup d'empathie dont on manquerait vis-à-vis des personnes typiques, mais les personnes typiques manquent énormément d'empathie vers les personnes autistes. Et il faut se placer. Et c'est ça qui est important, c'est se placer au niveau de la personne autiste. Une personne autiste qui fuit, ça peut être sensoriel, ça peut être cognitif, ça peut être... voilà, il Il y a une suffit d'une odeur raison. que Il personne y a ne une sent, raison, mais ce n'est elle a un pas. seuil neurologique très bas. Voilà. Alors, ce n'est pas incohérent si la personne se tape. On peut se taper parce qu'on a mal ailleurs et en fait, on a une douleur contrôlée. Il y a plein de choses comme ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut voir comme, ah oui, mais c'est de l'autisme, de toute façon, il est comme ça, on va le médicamenter. En plus, il y a ce problème de médicamentation pour des personnes notamment où on assomme de médicaments pour éviter justement ces comportements, sans une fois réfléchir, mais pourquoi elle fait ça? Parfait. Pourquoi? Et ça, vraiment, il faut se mettre à la place des personnes autistes, y compris, je dirais même majoritairement, quand elles ne peuvent pas exprimer pourquoi elles font ça. Donc Effectivement, effectivement. ça, je pense que, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire passer dans mes formations, c'est toujours, ben voilà, il faut vraiment se mettre, aller chercher, être un détective, poser des hypothèses, regarder si ça fonctionne, etc., pour pouvoir aller, voilà, pour pouvoir agir. Et en fait, quand on a commencé à comprendre, on agit. Parce qu'une Oui. fois qu'on sait que c'est, par exemple, je ne sais pas, une odeur, bah on va essayer de la réduire, on va essayer de trouver des... Voilà, on agit. Mais si on ne comprend pas, bah du coup, bah y a rien d'autre que finalement la médicamentation, ou, enfin les médicaments, ou je sais pas, moi, ou alors essayer de trouver un comportement alternatif. Mais en général, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le dit, hein. Donc voilà. Est-ce que Tant tu qu'on as le n'a pas compris... Oui, pardon. Jean-Philippe, est-ce que tu as le sentiment que les mentalités évoluent par rapport à la prise en charge des personnes dites de grande dépendance? Alors, Est-ce que je trouve que c'est très lent pour faire bouger les choses, je ici en trouve tout quand cas? même. Donc, Alors, la toi qui dernière fois, j'étais travailles, qui es avec d'autres. dedans, quel est ton sentiment? Alors, la dernière fois, j'étais avec une autre professionnelle et je vois que, par exemple, les professionnels qui ont beaucoup pourtant apporté à l'autisme d'il y a 20-30 ans avaient une vision encore plus déficitaire. Aujourd'hui, je trouve que les professionnels, les grands professeurs de notre génération et puis bon, de la génération qui va venir après, ont déjà un regard beaucoup moins, voilà, ils regardent avec aussi comment inclure, ils regardent, voilà, ils voient aussi autrement, par exemple, ce qu'on appelle le manque de théorie de l'esprit. Enfin voilà, il y a quand même un petit changement au niveau, en tout cas, de la recherche, etc., des études. Au niveau de l'inclusion, je dirais, il y a eu un bond en France. Quand on a fait ce qu'on appelait la loi Chaussy. Mais depuis, aujourd'hui, je dirais, à handicap égal, depuis 10 ans, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne autiste, globalement, qui est non-verbale, ira rarement au-dessus du CE1, et voire même, elle s'arrêtera en grande section, et ira ensuite en établissement. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de progrès là-dessus. Et ça, c'est dommage, mais voilà, c'est vraiment, vraiment agaçant de voir à quel point, effectivement, mais bon, il y a plein de, voilà, il y a plein de choses qui expliquent. Mais oui, les progrès se voient, mais en même temps, comme tu disais, hein, parce que tu parlais de l'avortement, en même temps, il y a un peu, voilà, j'en parle comme ça, mais il y a effectivement de plus en plus de recherches autour du diagnostic précoce, et on imagine qu'à un moment, bah, il y aura en tout cas certaines personnes autistes qui pourront être identifiées avant la naissance, certaines à cause d'une génétique particulière, pas toutes, hein, évidemment, Oui. et peut-être des questions autour de ça, avec bah, le risque, bah, voilà, et le fait qu'il n'y ait rien de prévu pour elles aujourd'hui, bah, ça va plus ou moins justifier ça. Le fait qu'on n'ait pas de choses, qu'on n'ait pas d'inclusion correcte, qu'on sait qu'aujourd'hui les parents bah, vivent vraiment quelque chose de dramatique des fois parce que bah, l'administration, en dehors même parfois de l'autisme, l'administration, le fait de trouver des professionnels, le fait de risquer en plus d'avoir des signalements. Oui, c'est très compliqué pour les familles d'accompagner au mieux.
et surtout de garder le cap. Alors, c'est un sujet qu'on parle rarement et qui, moi, m'interpelle de plus en plus ces dernières années. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, beaucoup d'adultes autistes qui ont un diagnostic très tardif et qui ont des enfants. Quand il y a des difficultés, les enfants sont pénalisés, les familles sont pénalisées, même parfois séparées des parents. Oui. On utilise souvent le diagnostic d'autisme contre la famille ou contre la personne. Ça devient à tel point que maintenant, je me retrouve dans la situation de quand quelqu'un a son diagnostic, de lui dire surtout n'en parlez pas, c'est pas le moment, c'est risqué, vous êtes en procédure de divorce, vous êtes en ceci, en cela, on ne sait jamais. Et pourtant, des bons parents, il y en a partout, comme des mauvais parents. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui est plus doué que l'autre. Et ce n'est pas parce qu'on est autiste qu'on est un moins bon parent. Ça, je tenais à le signaler. Est-ce que toi, dans l'expérience que tu as avec toutes les familles que tu rencontres, et ces choses, est-ce que ce sont des choses auxquelles vous êtes confrontés? Est-ce que tu es confronté? Oui, aussi beaucoup en France, on est beaucoup confronté. Alors, je dirais même déjà, rien qu'avec un enfant autiste, un enfant en situation de handicap, on a beaucoup plus de chances de placement. 20 fois ou voilà, 20 fois plus de chances de placement, je me rappelle de l'étude. Donc déjà, donc en plus, si effectivement la personne peut sembler, par exemple, il y a des spécificités qui sont liées au genre. Hein. Dans l'autisme avec des personnes qui vont et on attend des choses par exemple un homme comme moi qui suis en retrait, c'est pas grave, un père qui est en retrait, on va pas lui reprocher d'être en retrait, qui va pas parler, etc. Une mère un peu froide, etc., tout de suite c'est des reproches, ah bah oui mais c'est pour ça que son enfant est autiste. Ah ouais, même on va si crocodile la parole. Sans aller même sur les tests psychanalytiques, je pense qu'il y a l'idée que on a un attendu de la mère qui est différent. Il faut qu'elle soit très joueuse, très voilà. Et du coup, ces choses-là existent en France aussi, et avec des conséquences dramatiques de placement, de difficulté à récupérer l'enfant. Alors qu'en plus, enfin, en tout cas en France, hein, je ne connais pas la Belgique, la situation belge, mais en placement, c'est nul. C'est-à-dire que les instituts où ressemblent les jeunes, c'est les mettre en situation d'échec. C'est-à-dire qu'en plus, non seulement. En plus, s'ils sont en plus autistes, je n'ose imaginer. Mais déjà, même sans parler de placement, mais le placement ASE, on sait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui finissent SDF dès qu'ils sont placés. Je parle d'enfants typiques. Alors, je n'ose imaginer quand, voilà. En Belgique, malheureusement, c'est tout à fait exactement la même chose. Il n'y a rien qui prépare à accueillir des enfants autistes. Il n'y a rien dans ces centres. Et parfois, je trouve que c'est beaucoup plus préjudiciable de les mettre dans des centres comme ça que de les laisser dans les familles dites. C'est compliqué. Après, je peux comprendre quand un parent est vieillissant. Moi, j'ai eu le cas. Une maman, elle avait un cancer, elle ne pouvait plus garder son enfant. Je veux dire, ça, c'est normal qu'il y ait des solutions qui doivent se dégager. Mais justement, les solutions, moi, j'aimerais juste qu'elles soient au moins correctes. Et souvent, il y a plein de comportements problèmes. Il faut voir, il n'y a rien qui se passe dans ces institutions parfois. Il n'y a pas de réflexion. Une fois qu'on voit qu'il y a un comportement problème, on l'envoie à l'hôpital psychiatrique, on lui rajoute une molécule, il revient. Ça ne se passe toujours pas bien parce que finalement, la molécule n'a rien changé. Hop, on renvoie, on rajoute une molécule et comme ça, on peut avoir des listes de molécules pour rien. Exactement, exactement. Et c'est difficile, j'avoue, des fois, de pas généraliser parce que les personnes, du coup, je comprends que moi, j'accuse pas les personnes en institution. J'accuse personne, d'ailleurs, je m'en fiche, mais ce qu'il faudrait, c'est réfléchir autrement, peut-être. Hein, on a les habitats inclusifs qui se développent, mais ça sera pas la solution à tout. Puis c'est trop petit encore en termes de moyens par rapport aux besoins. Donc, il faudrait réfléchir peut-être autrement. Par exemple, déjà, des aides humaines. Nous, on a des possibilités d'avoir des aides humaines, mais c'est très réduit en termes de temporalité. Donc, les parents, ils ne peuvent pas avoir des aides humaines suffisantes parfois pour garder un adulte polyhandicapé, par exemple, pour ne pas parler que d'autisme. Donc, ça, c'est vraiment problématique. Et d'ailleurs,
J'imaginais qu'en France, on a eu des scandales autour des maisons de retraite. J'aurais imaginé qu'on puisse en parler aussi de toutes les institutions, en général, d'enfants ou d'adultes handicapés. Ce sont des sujets tabous qui sont très difficiles à mettre sur la place publique ou qui intéressent pas ou peu de monde. Donc, on sait qu'il y a Oui, encore voilà, exactement. beaucoup de choses à faire bouger en tant que parent, en tant que personne autiste, en tant que professionnel. Il y a tellement encore de choses à faire avancer. Maintenant, concernant les adultes autistes qui ont un diagnostic tardif, ô combien tu sais. Et alors moi, j'ai aucun pourcentage, mais juste l'expérience à Autisme en Action, je suis juste sidérée de voir le nombre de personnes adultes autistes qui sont demandent un diagnostic et qui ont un diagnostic et qui par Alors, la il n'y a pas suite, de pourcentage sur ça, on n'a sur pas de savoir de pourcentage. non Et donc, je me de dis, passer de l'autre. Tu veux dire de l'autodiagnostic au diagnostic? Non. au diagnostic, voilà, ça me pose quand même question dans le sens où je me dis, comment peut-on tenir compte de la parole de ces personnes si elles ne sont même pas recensées, si elles ne sont même pas... et comment mettre des accompagnements si on ne peut pas dire, bah, il y a autant de personnes qui sont en demande, autant de personnes en questionnement. Comment faire pour apporter de l'aide et surtout soutenir ces personnes et leur donner la place? Toute la Alors, complication est là. On doit s'auto-gérer et s'entraider, il y a travailler. puisque tu en parles, c'est un peu la père aidance, hein, donc Ouais. autour de pères qui peuvent aider, qui ont des difficultés différentes ou qui ont moins de difficultés, hein, ça peut arriver aussi. Hein. Il y a ces choses-là. On a un peu aussi autour de moi, je trouve qu'autour de la remédiation cognitive, ça peut être intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, par exemple, je parlais de mon ergothérapeute sur la planification, c'est qu'on a co-construit une solution. Alors que jusqu'ici, on me disait, par exemple, fais un agenda, je commençais à remplir l'agenda, puis je m'arrêtais au bout d'une semaine, puis je ne mettais pas à jour. Et donc, en fait, il faut vraiment travailler avec la personne, que ce soit, quel que soit le niveau d'ailleurs. J'aurais envie de dire, toutes les personnes autistes, il faudrait réfléchir à, voilà, plus on va travailler avec elles, plus on va motiver l'outil, plus moins elles auront de résistance à l'outil. Tout à fait. Et ça, on a vu dans notre pratique ici, quand on reçoit les gens, qu'on accompagne, un outil n'est jamais mieux utilisé que quand il est co-créé et que ça vient de la personne. Parce qu'on peut faire des suggestions, mais si ce n'est pas adapté à son besoin ou à son mode de fonctionnement, tu parlais de l'agenda, si ce n'est pas naturel, ben ce n'est pas naturel, ça ne Exactement. viendra jamais. Donc l'idée, c'est plutôt de questionner l'autre et de l'amener à trouver quelque chose qui Exactement. lui convient au mieux. Ça, c'est très, très important. Et nous, en France, on a quelque chose quand même qui peut être intéressant. Alors, pour ces personnes-là, c'est le GEM. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler. C'est des Non. groupes d'entraide mutuelle. Alors, en fait, c'est des groupes d'entraide mutuelle, c'est-à-dire des personnes autistes qui se rencontrent dans un lieu géré en partie par les personnes autistes, en tout cas pour l'instant. Moi, idéalement, je trouve que ça devrait être totalement géré par les personnes autistes, mais C'est bon, ce que nous, on fait je Autisme veux en voir. Action, en fait. C'est exactement ce qu'on fait. En fait, Voilà, on se avec réunit, on des accueille et on activités. accompagne au mieux, que ce soit administratif. Paramédical, scolaire, social, Disons que psychologique. l'avantage. Disons que l'avantage par rapport à vous, c'est que c'est subventionné. Voilà, Bon, ça alors là, pose. tu rêves, hein, nous. Donc, il y en a un par On ne sera département. jamais. Voilà, il y en a un par département en France. Enfin, il y en a. Non, pardon. Il y en aurait un par département en France. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais il y a la possibilité d'en ouvrir un par département. Après, il y a des dossiers à remplir, etc. Mais voilà, ça peut être une solution. Voilà, après, il y a des choses qui peuvent se faire. Bon, les groupes sur Internet, ça peut être aussi des solutions. Pour des personnes qui n'ont pas envie de sortir, enfin bon, tu connais ça, hein. Tout Enfin, tu connais les groupes, à fait. ça peut être des solutions aussi pour partager des problématiques ou partager des envies, des difficultés, des activités. On n'est pas obligé de partager que des difficultés, hein, d'ailleurs, Non, hein. il On peut y a partager des beaucoup de intérêts. bons moments Voilà, on aussi, peut partager des d'artistes. intérêts spécifiques. Oui, on Voilà. a beaucoup d'artistes, beaucoup de passions. Donc, ça, c'est clair que. Et ce confinement nous a appris beaucoup de choses, en fait. Hein.
On sort du confinement, enfin pour beaucoup de gens ça a été compliqué, mais pour nous ça a été une vraie découverte pour certains, difficulté pour d'autres, il faut le reconnaître, mais en même temps ça a permis à des gens de créer un mode de communication qui leur convenait le mieux et pouvoir co-créer ensemble et à distance. Moi je me rappelle d'ateliers créatifs qu'on a fait à distance qui étaient assez sympas et j'aurais jamais imaginé que ce pu être possible. En faisant ça à distance. Donc voilà, il y a des pistes à développer Oui. et à prendre en compte. Alors, Moi, maintenant, par exemple, j'aurais bien aimé. Pardon, vas-y. non, Non, vas-y, vas-y. J'aurais non, dit, j'aurais attends. bien aimé ouvrir un groupe d'habileté sociale à distance, ouvert à tous, quoi. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien faire, mais c'est compliqué parfois aussi parce qu'il faut créer aussi quand même des groupes homogènes parce que tu sais, il y a des personnes qui ont Ouais. beaucoup de mal à verbaliser et du coup, il faut quand même créer des groupes qui sont assez homogènes. Mais oui. Vas-y, je te laisse. Excuse-moi, j'ai tendance à Mais couper c'est la parole. intéressant, je vais rebondir là-dessus. Les groupes d'habilité sociale, ben, nous, on en organise quand même pas mal et on a pas mal d'années d'expérience. Mais je trouverais que ce serait, et le confinement, c'était très compliqué parce que c'était important de se voir et d'échanger. Je pense qu'il faut envisager ça par palier et par petits groupes. Il faudrait partir des intérêts spécifiques. Tu vois, plutôt que de faire des groupes, c'est par exemple, je ne sais pas moi. Oui, Prendre des thématiques et les ouvrir en forme d'éventail oui. et faire progresser les choses. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, permettrait aux gens de sortir un peu de leur zone de confort tout en se sentant sécurisés. C'est compréhensible ce que je dis? Oui, je Tout à pense que. fait. Moi, les groupes d'habileté sociale, je trouvais ça des fois. Ça tombait un peu sur le cours d'habileté sociale et ce n'était pas toujours intéressant. Il faut vraiment l'animer de façon. Il faut que ça soit beaucoup plus participatif. Il ne faut pas qu'on se tombe dans le cours. Il faut que ça soit aussi fonctionnel. Il faut aller vers le quotidien. Faut C'est, partir, sinon, bah, c'est. nous c'est ce qu'on fait, hein. On part de la journée, de ce qu'on a vécu et on rebondit sur ce que l'un ou l'autre a Voilà. vécu pour justement, et toi, comment tu aurais réagi, et toi, et on Voilà. s'entraide et on donne une précision, qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal, pourquoi on a réagi, pourquoi, et on Voilà. visite tous les trucs et on ouvre, on parle tout le temps du réel, de l'instant, du présent. Très, très important. Donc il y a encore beaucoup de projets à développer et on serait ravis de faire ça. Hein. Jean-Philippe, quand tu veux. Jean-Philippe, tout doucement, on arrive à la fin de cette visioconférence. Je te laisse le mot de la fin. Si je devais passer un message, c'est vraiment rappeler que les personnes autistes sont cohérentes. Il faut aller chercher leur référentiel. Une personne qui ne peut pas demander à manger, qui ne sait pas, par exemple, qui ne sait pas faire des mouvements sociaux comme ça, qui ne sait pas, qui ne peut pas oraliser, il est normal qu'elle tape sur le frigo, sur la table pour demander à manger. C'est pas un comportement, c'est pas un trouble du comportement, c'est un moyen de communiquer. Et si déjà on commence à penser autrement l'autisme, on va commencer à regarder pas toujours sur cet aspect forcément déficitaire, mais plutôt, mais pourquoi elle fait ça? Et on va solutionner. On va l'aider à trouver quelque chose, un comportement moins préjudiciable pour elle-même, d'abord. Et ça, c'est important. D'abord pour elle-même, ensuite pour ses proches, et enfin pour la société. Mais toujours dans cet ordre-là. Merci Voilà, c'est. Jean-Philippe. Je crois que c'est important. C'est très important ce que tu viens de dire et c'est juste parfait. Donc, D'accord. un grand merci pour ce partage d'expérience et à très bientôt et on continue à te Merci suivre sur les beaucoup. réseaux et en formation. Au revoir. Je vous attends pour les vidéos suivantes qui viendront chaque semaine égrener tout le mois d'avril. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Autisme en Action, Autisme en Action, notre chaîne YouTube. Et vous pouvez mettre des commentaires ou nous contacter à notre adresse mail qui est inscrite ici en dessous. À très bientôt. Au revoir.